J'organise ces débats parce que moi-même, étant plus petit, entre l'âge de 6 et 12 ans, j'ai été moi-même harcelé à plusieurs reprises. Et puis j'ai voulu oublier cette page de l'histoire. Mais ces dernières années, j'ai vu qu'il y avait plus en plus de filles de 12, 13, 14, 15 ans qui se suicident. Et qui sont suicidées, ça veut dire que ce sont des enfants qui, à un moment donné, la seule partie de secours qu'ils ont trouvée pour échapper à leur harcèlement, ils ont été jusqu'au suicide. C'est quand même terrible. Et donc se dire qu'on a des enfants et que nos enfants pourraient être victimes et qu'on ne serait pas au courant. Et donc je pense que ce genre d'initiative, le plus important pour moi, c'est d'amener des spécialistes, des experts, qui peuvent nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter que nos enfants soient harcelés, pour un. Et deux, comment se rendre compte que nos enfants sont harcelés? Parce que malheureusement, nous ne le voyons pas. Ce n'est pas des choses qu'on détecte comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se suicident et on ne remarque rien du tout? Tout d'un coup, on reçoit une nouvelle, on nous dit « Mohamed s'est suicidé » ou « Lapite s'est suicidé » ou « Yann s'est suicidé ». Donc ça veut dire qu'on est étonné, ça veut dire qu'on ne s'y attend pas. Donc les gens souffrent au fond d'eux-mêmes. C'est une galère totale. Et puis quand on est au désespoir, c'est soit on dit « Je fais l'effort et je m'accroche à la religion pour essayer d'avoir un peu, pour ne pas aller jusqu'au bout. » Et puis il y a d'autres qui te disent « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. » Et donc ils préfèrent se suicider. Vous savez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de comprendre que est-ce que nous, en tant que parents, on pourrait accepter que nos enfants sont en train de souffrir, en train de pleurer, se faire tabasser, et que les enfants eux-mêmes disent « Mais où sont nos parents ?» alors que nous sommes au courant de rien. Parce que pour un enfant, il ne comprend pas, il dit « Mais à quoi ça sert que j'ai un père? À quoi ça sert que j'ai une mère ?» Si au moment où je me fais harceler, au moment où je suis mal, il n'est pas là pour me défendre. Les parents sont d'abord là pour ça. Mais il faut qu'ils le sachent. Et donc, la manière dont on a organisé le débat aujourd'hui, c'était pour montrer qu'il y a un problème de société. Et Dieu merci, grâce à des gens comme vous, comme la télévision, comme des journalistes et tous les autres qui sont venus aujourd'hui, comme RTL, RTBF, et le soir qui étaient présents aujourd'hui, ils vont diffuser l'information en leur disant « Ça suffit, il y a des moyens financiers, vous voulez sauver le monde ?» à travers le monde, c'est très bien pour vous. Mais nous avons des problèmes juste à côté de nous. Peut-être dans nos familles, nos voisins, nos enfants, nos élèves des écoles sont en train de souffrir. Donc n'oublions pas ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content qu'il y ait autant de monde qui était présent et qui ont montré effectivement que c'est un signal important en politique. Et je me suis engagé pour les 3 prochaines années d'en faire une priorité, en tout cas par rapport aux enfants. On part en camp avec les enfants et on avait envie de faire la semaine vivre ensemble et parler de l'harcèlement et voulait savoir comment réagir avec les deux groupes. Avez-vous aussi encore un dernier mot à dire aux gens qui nous suivent? Tout simplement vous remercier parce que c'est grâce à ces gens-là et leur encouragement, puisque suite au reportage que vous avez fait vous-même, MR24, la dernière fois, j'ai reçu énormément d'encouragement. Et c'est vrai qu'on entend parfois les voix négatives et tout. C'est vrai que c'est comme ça, la vie, les gens ont l'habitude de parler de ce qui est négatif. Mais Dieu merci, il y a encore beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui donnent les choses positives. Et ça nous met vraiment chaud au cœur. Donc aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme vous qui nous donnent la possibilité de communiquer, que ça nous permet à nous de montrer notre travail et de montrer qu'on n'est pas que des bons à rien, mais qu'on est des gens qui veulent travailler pour l'intérêt de tous. Mais il faut aussi que vous nous donnez la possibilité de pouvoir le dire. Et je vous en remercie encore une fois. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous du débat qui a eu lieu aujourd'hui? Je pense que ce débat est très important. Et ce débat doit exister. Pour moi, que ce débat soit un début, pour moi, il doit déjà exister. Parce que ce débat est important. Avec la situation qui se passe actuellement. Et votre témoignage à vous, comme j'ai entendu un petit peu votre histoire, pouvez-vous un petit peu raconter aux téléspectateurs quelle est un petit peu votre histoire? Mon histoire, c'est simple. Je suis une maman qui a 4 filles, 4 garçons. J'ai mon plus grand fils qui a 34 ans et j'ai la plus petite qui a 10 ans. Donc moi-même qui suis née ici en Belgique, donc j'ai 52 ans. Et en conséquence, j'ai fait mes études ici. Et aujourd'hui, ma petite fille de 10 ans, qui m'a demandé d'être présente, qui s'appelle Sarah, Motassim Billet, m'a dit « Maman, il faut que tu ailles, il faut que tu parles à ma place. » Parce que la directrice, le professeur, tous ceux qui sont dans ce collège où mes enfants étaient, j'ai des enfants qui ont tous réussi en tant que gynécologue, avocat, procureur général à Genève. J'ai des enfants qui ont bien réussi dans leur vie. Et cette petite, c'est parce qu'elle parle, elle ne se laisse pas faire. Et on l'appelle Sarah Lalou. Elle a dit « Je ne suis pas Sarah Lalou, je suis Sarah Motassim Billah ». Et on lui a dit « Motassim Billah, c'est tout le Coran ».
Et donc, elle a pris un piquet, elle s'est mise dans la cour, elle a mis un panneau et elle a dit « Je m'appelle Sarah Motassim Billa. Ma maman est d'origine marocaine et mon papa est d'origine égyptienne. Et moi, j'ai mes origines et on ne doit pas m'harceler à l'école. J'ai mon droit comme tout le monde. » Voilà. Ma fille se bat à 10 ans pour l'exclusion, pour l'harcèlement et pour ne pas être harcelée. Et les harceleurs, sont ceux qui sont les professionnels. Et j'ai trouvé ça vraiment insultant, dégradant. Et ça ne doit pas se faire dans un collège de grand renommée comme Cardinal Mercier. C'est honteux. Aujourd'hui, du débat qu'il y a eu. En tout cas, c'est une très belle initiative. Donc c'est un colloque en fait qui parle d'un problème qui est devenu quasi un fléau en Belgique, suite en fait au suicide d'une jeune fille. Et donc je trouve que c'est très bien d'en parler, de mettre des mots sur cette problématique, d'essayer de trouver des solutions et surtout d'accompagner les parents, puisque c'est quand même un souci qui concerne les enfants et ça nous touche tous. Donc voilà, en tant que maman également de 3 garçons, donc il faut être là, être présent et être impliqué pour le futur de nos enfants. Et comme j'ai entendu, il y a eu aussi une petite histoire avec un de vos enfants. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer en cours, vite fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un grand adolescent, en fait, qui, à l'âge de 16 ans, a changé d'école pour son orientation. Et c'est une nouvelle école, donc ça ne s'est pas très bien passé en première année, donc en cinquième secondaire, en moderne wetenskap. Et donc, voilà, on a mis ça sur le dos du changement, le changement d'école. Et donc ça s'est pas très bien passé pendant un an, des problèmes de migraines symptomatiques, pas envie d'aller à l'école, mais il n'en parlait pas beaucoup. Et donc la deuxième année, donc la dernière année, sixième année maintenant, ce que je vis aujourd'hui, c'est qu'en début d'année, donc mon fils, pendant une semaine, n'avait pas voulu aller à l'école. Et là, je lui ai demandé pour quelle raison, donc je lui ai demandé d'en parler. Et il a donc un enfant qui va 17 ans, a commencé à pleurer. Et là, je me dis, mon grand pleurait, il y a un problème. Et en fait, c'était de l'harcèlement qu'il subissait, mais pas spécialement de jeune à jeune. C'était un harcèlement beaucoup plus compliqué à gérer. C'était un harcèlement avec un adulte, c'était les deux professeurs. Donc c'était un professeur d'anglais, français. Et donc, je lui ai dit d'essayer d'en parler, de dialoguer. Hein. Je veux bien y aller, donc j'ai été faire le pas. J'en ai parlé à la direction. Ils ont dit que mon fils, en fait, il ne s'habitue pas à l'école. Et s'il n'est pas content, il peut changer d'école. Et en fait, mon fils a pris cette phrase en disant, moi, en fin d'année, je change d'école. J'ai vu une psychologue du CLB, j'ai dit, on va le changer d'école alors, si ça ne va pas. Mais en plein milieu de l'année, dernière année, c'était déconseillé. Donc, il l'a fait, le pas, il a changé d'école. Le comble, c'est que le directeur de la nouvelle école disait que ce n'était pas bien de changer d'école en plein milieu de l'année et qu'il fallait régler le problème sur place. Et qu'en fait, mon fils en a parlé au directeur, qui était très ouvert, ce directeur. Et donc, mon fils s'est laissé emporter par ce directeur et il a tout parlé, il a tout lâché en disant, on a 2 profs. Voilà comment ils sont. Et en fait, en tant que maman, j'étais complètement en me disant, mais enfin, t'as gardé ça, tout ça. Il m'a dit, mais je voulais pas te faire de la peine, je vois pas très bien ce que t'allais faire, c'est des professeurs, voilà. Et là, j'ai dit, non, je peux pas laisser faire. Et donc, en janvier, ce qui s'est passé, donc il est retourné dans cette école où il y avait donc ces 2 professeurs qui posent problème. En fait, mon fils a essayé de se retrouver, de se faire oublier, en fait. Mais elle l'a un petit peu oublié, mais en fait, elle s'est rejetée sur d'autres élèves. Mais les autres élèves ont des arriérés un peu difficiles. Il y a une ambiance négative, violence, des chaises qui se balancent, des tables, des insultes. Et mon fils s'est rebelote, malade. Pas envie d'aller à l'école. Je ne sais pas comment je vais terminer mes 4 mois. Est-ce que je vais réussir ma dernière année? Et en fait, moi, en tant que maman, j'ai besoin d'un psy, et lui aussi, je pense, parce qu'on est complètement démunis face à la problématique qui a pris de l'ampleur, en fait. Donc voilà, pour moi, j'ai mis des mots avec ce colloque. C'est vraiment typiquement de l'harcèlement, mais on nous a bien expliqué que là, on est devant une autorité. C'est un adulte, un prof, nommé, qui a passé la cinquantaine, qui ne comprend pas du tout l'environnement de nos jeunes, et qui, en fait, qui est braqué. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est que les autres professeurs le savent. C'est que les enfants, les jeunes, ont une confiance avec les autres profs. Ils sont plus jeunes. Hein. Prof de physique, ils ont 26, 27 ans. Alors, ils m'ont dit, madame, on ne sait rien faire. Je vous le dis tout de suite, ils sont nommés. Oui, et
Et là, il m'a juste dit, ils font partie des meubles. Hein. Alors allez-y. Hein. Nous qui sommes profs en tant que collègues, on a du mal. Donc vous imaginez vos enfants. Et donc en attendant, on prie Dieu que ça aille mieux. Mais voilà, on essaye de participer justement à ce genre de colloque pour trouver nos réponses et pas laisser nos jeunes démunis. Et justement, pas les frustrer parce que demain, on nous dit que nos enfants sont violents. Vous savez, les excuses de dire des jeunes voyous, mais en fait, non. Hein. C'est le système qui rend nos jeunes comme ça parce qu'ils sont, franchement, ils sont très gentils, très sympas. Ils ont une motivation, on les entend, mais on fait tout pour les démotiver. Pas toutes les écoles, hein. Je parle d'un cas. Et s'il y en a d'autres cas, il faut en parler, parce que voilà. Et donc à l'heure actuelle, vous n'avez toujours pas trouvé de solution ? Non, pas du tout. J'essaie de trouver, maintenant j'ai eu quelques réponses, donc je dois aller à des instances supérieures, si j'ai bien compris. Donc on verra le futur, et essayer d'accompagner nos jeunes et d'être présents, en espérant qu'il n'y aura pas de drame. En fait, on est là pour essayer d'éviter que ça s'envenime. Voilà.